Monsieur Chopin se repose quelques jours. Un souci de santé l'a conduit récemment dans cette maison de retraite près de chez lui. Un peu de repos dans une vie bien remplie. Le 18 juin 1940, De Gaulle s'exprime à la radio. Monsieur Chopin est près de Saumur, sa ville natale. Est-ce que vous avez entendu l'appel du général De Gaulle? Oui, c'était à environ un kilomètre, peut-être même 500, un bon kilomètre au sud de Saumur, chez un client de mes parents, où j'entendais ce qui fut appelé par la suite l'appel du général De Gaulle. Une voix par là. Puisque ceux qui avaient le devoir de manier l'épée de la France... Pierre Chopin entre alors en résistance, il a à peine 16 ans. Il récupère des armes de soldats français, les cache et les entretient en vue de mener des actions. Puis il est très vite responsable de 3 réseaux de résistance. Il devient alors une cible pour l'occupant. C'était une cible importante des nazis qui voulaient absolument le tuer, hein, pour être très clair. Donc il a remarquablement évité un certain nombre de grands pièges, quelquefois en restant complètement isolé dans un trou qu'il avait fait lui-même dans la forêt autour de Saumur pendant plusieurs jours. Mais il a vraiment eu une vie héroïque. Ça vous a fait quoi quand il vous a raconté tout ça? Ah ben j'avais trouvé ça très très beau. Je ne savais pas que j'avais affaire à un héros. Pierre Chopin a reçu la Légion d'honneur en janvier dernier. Le 13 juillet prochain, l'ancien résistant fêtera ses 92 ans. Aujourd'hui encore, il l'assure, l'homme du 18 juin aura marqué sa vie.